je veux dire l'histoire la plus ancienne de notre monde, celle de Renard le Goupil. Oui, oui, on nommait alors Goupil l'animal roux et rusé, le voleur de poules qui écume nos campagnes. Mais dès qu'on connut le récit de Renard, on le débaptisa et Renard devint son nom. Renard savait tromper tout le monde, les hommes comme les animaux. Et c'est justement ce que je vais conter maintenant. Écoutez. Chante-Claire ! Chante-Claire ! Mon ami, où courez-vous ainsi ? Vous me paraissez tout essoufflé. Ne riez pas de moi ! J'ai peur ! Il y a derrière le grillage... une bête, une affreuse bête qui veut entrer nous faire du mal. N'ayez crainte, notre basse-cour est bien gardée. Et puis, voyons, peinte, je suis là, je suis là. Chante Claire à la fin. Cessez donc de glousser et regardez les feuilles des choux là-bas. Vous ne les voyez pas trembler? Vous ne les voyez pas remuer en tous sens? La bête s'est cachée dessous, je vous le jure! Suffit, peinte! Calmez-vous, reprenez vos esprits et retournez couver vos œufs. Aucun goupil ne serait assez fou pour rôder par ici. Et moi, je vous promets qu'il est caché juste sous votre bec, si proche que sa queue vous frôle la crête. Mais vous ne le voyez pas. Peinte! Taisez-vous! Repartez dans le poulailler et reposez-vous. Je vous dis que je veille. Et dressé sur son tas de fumier, Chanteclair reste bien tranquille, sûr de se trouver en sécurité. Le temps passe lentement. Fatigué de s'être levé tôt pour chanter, le voilà qui ne sent pas ses yeux se fermer. Et debout avec une patte repliée, eh bien il s'endort doucement et il rêve. Il se voit dans la cour bien fermée, mais voilà que devant lui, dans son rêve, un vêtement s'approche en rampant, un manteau tout roux avec autour du cou un collier de dents. Chanteclair suffoque et tremble dans son sommeil. Son cœur bat si vite qu'il s'éveille en sursaut. Peinte, ma gentille peinte, j'ai fait un mauvais rêve, un cauchemar, un songe étrange, un... Je vous écoute. Là, j'étais dans la cour en sécurité, quand une chose toute rousse, avec un collier fait de dents larges et pointues, s'approcha tout près de moi pour... Eh bien voilà, voilà ce que je vous disais. Cette chose rousse, c'est Renard, le goupil. Le goupil? Oui, et moi je vous prédis qu'il vous mangera avant midi. Le goupil? Le goupil? Peinte? Que ton bec se fende et que tes plumes tombent une à une. Tu es complètement folle. Ici, rien ne peut m'arriver, rien. Très vite rassuré, Chanteclair oublie son rêve et retourne à son tas de fumier. Et le voilà qui de nouveau se met à sommeiller. Mais Renard, lui, ne dort pas. Il rampe sans faire un seul bruit, s'approche du coq endormi. Sans plus attendre, se jette sur lui. Renard a sauté trop vite, le coq bat des ailes. Bondit sur ses ergots, au prix de douloureux efforts, il a plongé sur le côté et grimpé sur la première branche d'un arbre. Mon cousin, mon gentil cousin, pourquoi prends-tu la fuite? Ne me reconnais-tu pas? Renard, venu te saluer. Tu as essayé de me croquer. En effet, et tu m'as l'air en pleine forme. J'ai voulu tester tes réflexes. Je te félicite. Te rappelles-tu de Chanteclin, ton père? Chanteclin? Chanteclin, pourquoi?
Je me disais que... Mais ça ne t'intéresse pas. Si, 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 parle. Sans vouloir te critiquer, tu voles aussi bien que lui, mais je crois que ton chant ne vaut pas le sien. Sur mon honneur, jamais coq ne chanta aussi bien. Je me souviens quand il fermait les yeux et entonnait chants et refrains. Co, roco, roco. Non, non, il chantait plutôt ainsi. Approche, approche, approche-toi. J'entends mal. Je vais au bout de cette branche, mais toi, recule. Chante clair. Nous sommes de la même chair, du même sang. Tiens, je préférerais perdre une patte que de te voir souffrir ou te voir malheureux. Ah, voilà que j'entends mieux. Mais tu devrais t'installer sur ce talus. Tout le monde en profitera. Voilà, bravo. Chante, chante, Claire, chante. N'avance pas, n'avance donc pas si près. Tant pis, j'étais venu t'écouter, tant pis. Au revoir, Chante-Claire. Attends, attends, un instant et je te montrerai que moi aussi, j'ai un peu de voix. Non, Chante-Claire, ton père chantait beaucoup, beaucoup mieux. Il fermait les deux yeux pour mieux se concentrer et on l'entendait à 20 lieues à la ronde. Tu es certain ? 20 lieues à la ronde ? Oui, je te le jure. Alors, le coq, pour chanter plus haut, plus fort, ferme les deux yeux et ouvre tout grand son bec. Et Renard ne peut plus attendre. Il se jette sur Chante-Claire et l'emporte. D'un goupil vole notre Chante-Claire. Une brave fermière crie. Elle voit Chante-Claire dans la gueule de Renard, se tord les mains. Aussitôt, les paysans alentour lâchent leurs fourches et courent dans la direction du poulailler. Voilà le goupil, attrapez-le, bon sang! L'un d'eux vient de lancer sa fourche, mais Renard court trop vite pour leurs vieilles jambes. Chante-Claire, se voyant déjà manger, avaler, digérer, lance d'une voix tremblotante. Tu as réussi à voler un coq? Dis-leur, à tous ces fermiers qui te chassent, dis-leur, c'est moi le goupil qui vais faire un bon dîner. Renard, qui par-dessus tout aime rire des gens, se met à crier. Écoutez, regardez, voici Renard qui emporte votre coq. Chante-Claire sent la mâchoire du goupil se desserrer. Il se débat et au prix d'un héroïque effort, il se libère de l'étau que formaient les dents du goupil. Il bat des ailes et s'envole jusqu'à la plus haute branche d'un pommier. En bas, goupil, fou de honte et de rage, le regarde. Tu as voulu me manger. Mais regarde comme tu es avancé à présent. Ton orgueil t'a fait perdre ton repas. Pourquoi t'ai-je écouté ? Maudite soit la bouche qui laisse échapper son dîner parce qu'elle a trop parlé. La faim au ventre, tremblant de colère, c'est ainsi que Renard s'en est allé. On dit que Renard pleura deux bonnes heures son déjeuner envolé. Un oiseau vint se poser à quelques pas de lui. Oh, bonjour, commère mes anges. Comme je suis heureux de vous voir, un baiser me fera chaud au cœur. Vous... embrasser ? Vous voulez rire ? Voyons, renard, je ne suis pas née de la dernière pluie. Ah, je vois que vous ne savez pas. Quoi ? Noble lion, notre roi à tous vient de décréter la paix. La paix entre tous les animaux. Je ne prendrai pas le risque de lui déplaire, vous n'avez rien à craindre. Allez-vous ?
Allez-vous-en et cessez de vous fatiguer. Je ne vous ferai pas de baiser. Mon ami, je vous jure que vous ne craignez rien. Tenez, si vous voulez, je fermerai les yeux quand vous m'approcherez. Alors ? Non. Mes anges, belles mes anges. D'accord, mais un seul, juste un. Et fermez bien les yeux. La mésange, toujours inquiète, prend un peu de mousse dans l'arbre et vient frotter les moustaches de notre compère. Renard, sentant sa proie contre son museau, ouvre la gueule en grand et donne un énorme coup de dent. Il ne réussit à attraper qu'un peu de mousse. Renard, voilà donc ton baiser ? Un peu plus et je faisais connaissance avec tes dents et ton estomac. Mais non, tu n'as pas compris, c'était une blague. Recommençons. Regarde, je ferme les yeux. La mésange se méfie. Rapide comme l'éclair, elle passe sous le nez de Renard. Le goupil a beau donner une dizaine de coups de canine, il n'attrape que le vent. Ce fut l'époque où, le doux temps d'été fini, la saison d'hiver est de retour. Renard était en son logis. Mais il avait épuisé ses provisions. La faim lui fait une dure guerre. Que faire ? Il est très inquiet. Il finit par se coucher près d'une haie. Là, il attendra l'aventure. Et voici qu'arrive à grande allure, venant de la mer, des marchands de poissons. Ils avaient quantité de harengs frais, lamproies et anguilles achetées dans les villages. Leur charrette était bien chargée. À la vue de la charrette, Renard file par des chemins détournés et court se placer au-devant des marchands. Il se couche au milieu de la route. Écoutez comme il les dupe. Il se vautre d'abord dans la boue. Puis, il fait le mort. Les yeux clos, les babines retroussées, il retient son haleine. Il reste allongé là. Arrivent les marchands, qui ne se doutaient de rien. Voilà un goupil ? Ou un chien ? C'est le goupil. Attrape-le vite. Attention qu'il ne t'échappe pas. Renard sera bien rusé s'il ne nous laisse sa peau. Le marchand se hâte et son compagnon le suit. Ils arrivent près de Renard, étendu sur le dos. Il le tourne, le retourne, sans crainte d'être mordu. Ils estiment son dos, puis sa gorge. Il vaut bien 3 sous. Dieu me protège, il en vaut 4 et c'est pas cher. Nous ne sommes pas tellement chargés, jetons-le sur notre charrette. Vois comme sa gorge est belle et blanche. Pour l'instant, nous ne lui ferons rien. Mais cette nuit à la maison, nous lui mettrons la robe à l'envers. L'histoire leur plaît assez. Ils le lancent dans la charrette et ils repartent. Mais Renard se contente d'en rire. Il y a loin entre dire et faire. Il s'aplatit sur les paniers, il en ouvre un avec les dents et il en tire, sachez-le, plus de 30 harengs. Le panier est presque vidé. Il mange à cœur joie sans réclamer sel ni sauge. Mais avant de s'en aller, il s'attaque à un autre panier. Il passe le museau et réussit à en tirer 3 colliers d'anguilles. Un renard aux 1000 tours passe la tête et le cou par les colliers et dispose sa charge sur le dos. Maintenant,
il faut trouver le moyen de descendre à terre. Il n'y a pas de marchepied. Il s'agenouille pour mieux calculer son saut, puis, s'avançant un peu sur le bord, d'une détente, il se lance hors de la charrette et atterrit sur la route. Il emporte son butin autour du cou. Dieu vous protège! Toutes ces anguilles sont à nous! Gardez le reste! Mais c'est le goupil! C'est le goupil! C'est le goupil! Ouais, nous avons été, je crois, de mauvais gardiens. Notre présomption nous coûte cher. Quel sot nous avons été! Quels imbéciles tous deux! De nous fier à Renard! Il a soulagé nos paniers. Il emporte des colliers d'anguilles! Renard, vous avez une laide nature. Que les anguilles vous rendent malade! Seigneur, je ne me soucie pas de quereller. Dites ce qu'il vous plaira. Moi, je suis Renard et je me tais. Les marchands le poursuivent, mais ils ne l'attraperont pas aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas dans la vallée avant d'arriver à son bois clos de haies. Alors les marchands abandonnent et, se traitant de pauvres imbéciles, ils renoncent à la poursuite et s'en retournent. L'autre file, franchit maint mauvais pas et vient droit à son château où sa famille en détresse l'attendait. Renard entre par la barrière. À sa rencontre, bondit son épouse, la jeune Hermeline, si courtoise et si noble. Percehet et Malbranche, les deux frères, bondissent aussi à la rencontre de leur père, qui arrivait en sautillant, gros et repu, joyeux et fier, les anguilles autour du cou. C'était un peu avant Noël, au moment où l'on met les bacons dans le sel. La nuit était claire et étoilée. Et le vivier où Isengrin allait pêcher était si gelé qu'on aurait pu danser dessus. Il ne s'y trouvait qu'un seul trou, ouvert par les vilains, où chaque soir, ils menaient leurs bêtes s'ébattre et boire. Ils y avaient laissé un seau. C'est de ce côté que Renard s'en vint à bonne allure. Sire Isengrin, approchez. Il y a ici des poissons en quantité. Et voici l'instrument que nous utilisons pour pêcher anguilles, barbeaux et autres poissons bons et beaux. Frère Renard, prenez donc le seau et attachez-le-moi solidement à la queue. Frère, il vous faut maintenant rester très sage pour que les poissons viennent. Il s'installe près d'un buisson et allonge son museau entre ses pattes, attendant de voir ce que l'autre va faire. Isengrin est sur la glace et laisse pendre dans l'eau le seau qui s'emplit de glaçons. C'est un plaisir. L'eau commence à geler et en serre le seau. Il est pris dans la glace, puis la queue gèle et se scelle à son tour. Isengrin songe bien à se soulever et à tirer le seau à lui. Il s'y efforce en maintes façons. Il ne sait comment faire. Il s'inquiète. Il se met à appeler Renard parce qu'il ne peut plus se cacher, l'aube commençant à poindre. Renard lève la tête, ouvre les yeux. Frère, allons, laissez ce travail. Partons, beaux doux amis. Nous avons assez pris de poissons. Qui convoite tout, perd tout. La nuit passe, l'aube point, le soleil matinal se lève. Les chemins étaient blancs de neige. Messire Constant des Granges, qui demeurait près de l'étang, s'était levé avec ses gens, tous en belle humeur. Il prend un corps, appelle ses chiens, il ordonne de seller son cheval, ses gens crient et font tapage. Renard entend et fuit jusqu'à sa tanière où il se niche.
Zangrin reste là, dans un bel embarras. De toutes ses forces, il tire, tire encore. Peu s'en faut que la peau ne se déchire. S'il veut partir, il doit y laisser sa queue. Pendant qu'Isengrin se débat, voilà qu'arrive au trot un valet qui tient deux chiens en laisse. Il aperçut Isengrin tout gelé sur la glace avec sa nuque pelée. Il se hâte d'aller voir ce que c'est. Hé hé hé, au loup, à l'aide! Les chasseurs l'entendent, bondissent hors de la maison avec tous les chiens et passent la clôture. Sire Constant tire son épée. Il s'approche pour bien frapper. Il a mis pied à terre et sur la glace, il marche au loup. Il crut le frapper à la tête, mais le coup dévie, l'épée glisse vers la queue et la coupe nette à Rasibus. Isengrin s'en rend compte. Il saute de côté et s'enfuit, mordant l'un après l'autre les chiens, désolé d'avoir laissé sa queue en gage. Il n'a plus qu'à fuir jusqu'à ce qu'il atteigne le bois. Il s'y enfonce et il jure qu'il se vengera de Renard et qu'il ne l'aimera jamais. Tibère joue avec sa queue. Fait de grands sauts, des pirouettes en avant, des pirouettes en arrière. Il ne se fatigue pas. Ah, Tibère, te voilà enfin. J'ai déclaré la guerre à Isengrin, le loup, et j'ai besoin de toi. Tu me vois ravi, compère Goupil, car moi aussi je déteste Isengrin. Mais Renard réfléchit au mauvais tour qu'il va jouer à Tibère, le chat sauvage. Il a vu, un peu plus loin, le piège qu'un paysan a posé la veille. Mon ami, on m'a juré que tu es courageux et bien plus rapide à la course que moi. Je pense cela impossible. Si tu veux vraiment le savoir, faisons la course. Nous verrons qui de nous deux l'emportera. Et voilà les deux compères courant à perdre haleine. Tibère s'approche du piège. Il va y mettre une patte. Heureusement, un rayon de soleil joue sur l'acier des ressorts et des dents meurtrières. Tibère saute sur le côté pour l'éviter. Il a compris ce que voulait Renard. Mais il ne pousse pas même un miaulement de peur ou de colère. Tu triches, Tibère. Tu galopes de travers. La course est à refaire. Il faut aller tout droit, ne pas dévier comme tu as fait tout à l'heure. Tout droit, tu m'as bien compris. De nouveau, Tibère et Renard se lancent dans une course folle. Cette fois-ci, Tibère ne dévie pas, il arrive sur le piège. Mais au dernier moment, ils sautent par-dessus. Renard voit que le chat a compris, mais il ne se décourage pas pour autant. Tu ne vaux rien à la course, Tibère. Alors un paysan arrive, il lâche ses chiens sur nos deux compères. Il s'enfuit le plus vite possible et se bouscule pour ne pas être attrapé. C'est à qui bondira le plus haut, à qui bondira le plus loin. Tibère et Renard détalent sur le chemin. À nouveau les deux compères s'approchent du piège. Mais cette fois, Tibère saute sur le côté et pousse Renard dans les mâchoires d'acier. Ah malin, malin ennemi. Tu vas rester ici à attendre la meute qui approche. Excuse-moi si je ne patiente pas avec toi. Et justement, voici les chiens qui arrivent. Ils aboient, ils entourent le goupil qui se débat, une patte prise au piège. Un paysan arrive, une hache à la main. Il va décapiter Renard. L'homme, en effet, lève le bras et frappe lourdement. Heureusement, le paysan n'a frappé que le piège et pas la bête. Bien sûr, sa blessure lui fait mal, mais ce jour-là, notre goupil s'en est tiré à bon compte. À très bon compte. Il s'éloigne doucement en léchant ses blessures. Il se promet de prendre rapidement sa vengeance.
c'était en mai, au renouveau, lorsque le temps est beau et serein, au moment de l'ascension. Renard était chez lui sans provision, sans rien à manger. Il bâille de faim. Il a tout le corps douloureux. Il sort de Maupertuis et il court à l'aventure. Il se jette dans un enclos où la rage le pousse. Et il y rencontre Tibère, le chat. Tibère, beau doux ami, où allez-vous? Dites-le-moi. Sire, par ma foi, je suis parti pour me rendre chez un vilain qui habite près de cette haie, là-bas, devant nous. Le vilain a une femme qu'il aime tant qu'il ne lui refuse absolument rien. Celle-ci a logé un plein pot de lait dans une huche, et c'est de ce côté que je me dirige rapidement à travers bois pour savoir si je pourrais y arriver. Si tu veux venir avec moi, je t'emmènerai. Mais alors, soyons de loyaux compagnons. Il y a des poules et des chats. Ouais, je te promets volontiers d'être loyal compagnon. Dieu, comment pourrons-nous entrer? Ces pieux sont si serrés que nous ne pourrons pas y passer le pied. Soyez sans crainte, nous vous ferons bien entrer, je le crois. Renard, beau doux ami, sais-tu ce que tu vas faire? Tu vas venir avec moi à l'intérieur de la maison. Car si tu vas d'abord au chapon et que tu les fasses crier, il y a séant de solides matins qui t'attaqueront et auront au fait de te prendre. Notre affaire sera manquée. Viens donc à l'intérieur avec moi, si tu veux mener à bien l'entreprise jusqu'à complète réussite. Si tu aimes le lait, tu auras de quoi boire. Ça me plaît. Renard, Dieu te guide. Entre et viens soulever le couvercle de la huche. Il y a là une cruche pleine de lait. Je t'aiderai volontiers, ma foi, belle amie chère. Ils vont ouvrir la huche. Tibère laisse Renard soutenir le couvercle et saute dedans. Il va droit au pot, il y plonge la tête, il ne pense qu'à boire le lait. Tibère lappe, il boit vigoureusement. Renard, sous le poids du couvercle, était fort mal à l'aise. Tibère, es-tu content? Lappe vite et sors. Cette huche est lourde, c'est terrible. Tibère, dépêche-toi, ou la huche va se refermer sur toi. Oh, glouton! Pourquoi as-tu renversé le pot? J'aurais préféré être battu. En tout cas, saute dehors. Je suis exténué à force de soutenir cette huche. Il faut que tu sortes. Tibère s'élance d'un bond. Renard, levez haut le couvercle. Tibère a sauté sur le rebord. Et Renard laisse choir ce couvercle écrasant qui s'abat si fort sur la queue de Tibère que ce n'est pas une plaisanterie, il la tranche en deux. Et le bout retombe dans la huche. Tibère bondit à terre. Renard, tu m'as fort mal arrangé, tu m'as coupé la queue, c'est une affreuse souffrance. Coupé? Ma foi, ce n'est pas moi. Mais qui est-ce alors? C'est toi. Chut, voyons, tais-toi. Tu en es bien plus léger. Mais je n'avais pas besoin de cela, et c'est la vérité. Je n'y aurais pas consenti pour tout l'or du monde. Tu es un idiot. Allons, dis-moi, ne te sens-tu pas tout léger? Quelle plaisanterie. Je plaisante? En quoi? Qu'as-tu à faire d'une queue? Si l'on te pourchassait maintenant, tu courrais plus agilement. Cela me gêne, moi, d'avoir une queue aussi longue. Je voudrais la voir coupée. Tu en as de bonnes. Mais laissons cela et partons sans tarder. Je veux que tu manges, toi aussi. Ils sortirent doucement par un guichet de la porte. Ils se dirigent vers l'échappement. Courbant l'échine, ils arrivent au poulailler. Tibère a réfléchi. Vos doux amis, les volailles sont ici dedans. Mais si tu m'en crois, tu ne toucheras pas aux poules. Tu prendras le coq. Un bon coq grand et gros. Car les poules sont toutes déplumées. Je te dis la vérité. Le tiens-tu? Prends garde qu'il ne t'échappe. Dis-moi si tu le tiens bien. Mais oui, par ma foi. Il a ouvert la bouche. Et maintenant, le coq s'esquive.
Il commence à chanter si haut que Sir Gombo, le vilain qui dormait, se réveille. Il appelle ses chiens et lui-même bondit sur ses pieds. Il pousse la porte du poulailler. À sa vue, Tiber s'enfuit sans plus attendre, en silence et à la dérobée. Renard prend la fuite à son tour, passe au milieu des chiens qui s'élancent à sa poursuite. Renard fuit. Le vilain excite en criant ses chiens qui gardent la piste. Tiber le maudit a sauté dehors à la place du pieu brisé par où il s'était entré. Renard suit à toute vitesse, mais les chiens le saisissent par la pelisse, le jettent à terre. Deux d'entre eux bondissent sur lui et le maltraitent fort. Renard réussit à se relever et leur échappe. Ils ne l'attraperont plus aujourd'hui. Renard fit la grande allure, aussi loin que ses pieds peuvent le porter. Pied d'une colline, Renard aperçut sur la droite, au-delà d'une rivière, un coin désert et charmant où se dressait un hêtre. Il s'y allonge, il s'y roule. Il est descendu à un bon hôtel, pourvu qu'il trouve quelque chose à manger. Quelle joie de se reposer! Mais Sir Tieslin, le corbeau, qui avait grandement jeûné ce jour-là, n'avait cure de repos. Poussé par le besoin, il a quitté le bois et, fendant les airs, il se dirige vers un enclos, très pressé de livrer bataille. Il aperçut un millier de fromages qu'on avait mis séchés au soleil. La vieille qui devait les garder était rentrée dans sa maison. Tieslin vit que c'était le moment de gagner sa vie. Il se laisse tomber. Il en prend un. La vieille, pour le rattraper, bondit au dehors. Elle voit Tieslin et lui lance cailloux et pierres. Vous ne l'emporterez pas! Vieille, si on vous en parle, vous direz que c'est moi qui l'emporte. J'ai tenté l'aventure pour le prendre parce que je l'ai vu tendre, jaune et parfumé. Si je peux le transporter jusqu'à mon nid, j'en mangerai bouilli et rôti, tout à mon aise. Allez-vous-en! « Moi, je m'en vais !» Il s'en retourne alors et va droit au lieu où se tenait Sir Renard. Les voilà réunis à cette heure, Renard en bas, Tieslin en haut, avec cette différence que l'un mange et que l'autre bâille de faim. Le fromage est un peu mou. Tieslin y frappe de grands coups du bout du bec et il l'entame, il en mange du jaune et du tendre, malgré la femme qui l'injuria tant lorsqu'il le prit. Il ne s'aperçut pas qu'une miette était tombée à terre devant Renard. À cette vue, celui-ci comprend, remue la tête, puis se lève pour mieux voir. Il aperçoit, perché là-haut et le bon fromage entre les pattes, Tieslin qui était depuis longtemps son compère. Que vois-je là? Est-ce vous, sire compère? Bienheureuse soit l'âme de votre père qui savait si bien chanter. Maintes fois je l'ai entendu célébrer comme le premier chanteur de France. Vous-même, en votre jeunesse, vous vous exerciez souvent. Ne savez-vous plus la musique? Chantez-moi une rotrouange. Bravo! Vous chantez encore mieux qu'avant. Si vous vouliez, vous pourriez monter d'un ton. Dieu, que votre voix est claire et pure! Si vous cessiez de manger des noix, vous seriez le meilleur chanteur du monde. Chantez une troisième fois. Et l'autre, de crier à perdre haleine. Il ne s'aperçut pas que dans cet effort, sa patte droite se desserre et le fromage tombe sur le sol, juste au pied de Renard. Le glouton,
qui grille de gourmandise n'y touche pas, car il veut, si possible, attraper Tiesselin. Le fromage gît devant lui. Il se lève, clopin, clopant. Il avance son pied boiteux, à la peau écorchée, pour que Tiesselin le voie bien. Ah, oh, Dieu, que fait ? Ce fromage pue tellement qu'il va m'en faire mourir. Je suis très inquiet, car le fromage ne vaut rien pour les plaies. Les médecins me l'interdisent, et je n'en ai nulle envie. Ah, oh, Tiesselin, descendez. Ôtez-moi cette malédiction. Je ne vous ferai pas cette prière si je ne venais d'avoir par malchance la jambe prise au piège ou m'arriva cet accident. Rien à faire. Me voilà condamné au repos, aux emplâtres, au massage, jusqu'à complète guérison. Tiesselin croit qu'il dit vrai. Renard accompagne sa prière de larmes. Le corbeau, de son arbre, saute à terre. Saut bien malheureux si Renard peut le tenir. Tiesselin hésite à s'approcher. Pardieu, venez! Quel mal peut vous faire un blessé? Le sot, qui s'aventurait trop, n'y vit que du feu quand l'autre bondit. Mais Renard, croyant le saisir, le manqua. Quatre plumes seulement lui restèrent entre les dents. Tiesselin s'envola, fort ému d'avoir failli être si mal payé. Il se regarde devant et derrière. Comme je me suis mal gardé aujourd'hui, je ne me suis pas méfié de ce félon, ce roux, ce boiteux qui m'a arraché quatre tuyaux à l'aile droite et à la queue. Maudit soit-il, c'est un hypocrite, un traître, j'en sais quelque chose. Le fromage est à vous, pour aujourd'hui vous n'aurez rien d'autre de nous. J'ai agi comme un fou de vous croire, parce que vous aviez une patte en l'air. Renard ne lui répondit pas, et pour se consoler de l'avoir manqué, il mangea tout le fromage. Il regretta seulement qu'il n'y en ait pas davantage, car il le gobe tout d'un coup. Après en avoir déjeuné, il déclara que depuis sa naissance, il ne croyait pas avoir mangé nulle part semblable fromage. Sa plaie ne s'emporta pas plus mal. Là-dessus, il s'en va sans plus rien dire. Après un petit somme, Renard part en trottant dans la forêt. Il n'a pas fait beaucoup de chemin quand il aperçoit l'entrée d'une grotte protégée par un épais feuillage. Renard est un incorrigible curieux. Il ne peut voir cette grotte sans chercher à y entrer. Il y risque une oreille, puis l'autre, ensuite les deux pattes, puis le reste de la queue. Et le voici tout entier dans la tanière de son ennemi juré. C'est Isengrin, le loup. Il pense à reculer, mais déjà, Hersan, la femme d'Isengrin qui dort dans la tanière, l'a aperçu. Eh bien, Goupil, quel bon vent t'amène. Tu ne viens pas souvent me rendre visite. J'aimerais passer plus souvent par ici, mais Isengrin ne le désire pas trop, je crois. Il a promis de m'assommer et de m'écorcher. Et pourquoi? Il l'a annoncé hier soir. Je n'ose l'avouer. Parce que je vous aime. Comment? Vous m'aimez? C'est ce qu'il dit? Il l'a proclamé à qui voulait l'entendre, à 5 lieues à la ronde. Il a ajouté que je n'avais aucune chance parce qu'il ne vous quitte pas de l'œil. Je vois. Il me surveille. Sans un instant d'arrêt. Moi, la plus fidèle des épouses? Il va le regretter. Je veux que tu me rendes visite tous les jours. Tous les jours? Et prends-moi tout de suite dans tes bras. Renard ne se fait pas frayer. Mais son esprit n'est pas tranquille.
À chaque bruit, il sursaute. Alors, avant de quitter la grotte de la Louve, d'abord, il mange toutes les provisions d'Isengrin. Puis, il bat les enfants de la Louve à les mettre en sang. À peine Isengrin est-il de retour que ses petits, bien sûr, lui racontent tout. Quoi ? On me dit que Renard a passé 2 heures ici et que tu n'as pas quitté ce sale rouquin. Ce n'est pas vrai. Il... Suffit ! Si tu veux que je te croie, aide-moi à en finir avec ce sale rouquin. Et tu sais ce que cela veut dire. Je ferai tout ce que tu veux. Isengrin avait de larges mains et des dents tranchantes. Hersan préféra filer doux et l'aida à chercher Renard des jours durant. Et ce fut elle qui le découvrit. Alors aussitôt, elle court à perdre haleine sur les traces du goupil. Renard saute à droite, il saute à gauche, passe sous un arbre, rampe sous une racine, saute encore pour rejoindre sa tanière. Et il s'y précipite, se croyant en sécurité. Mais Hersan court si vite derrière lui qu'elle plonge à son tour dans le terrier. Elle a sauté avec une telle violence qu'elle se coince, dans le trou. Sa tête est engagée, mais son postérieur, lui, reste à l'extérieur. Renard, ayez pitié, j'étouffe, je ne peux plus respirer. Votre tanière est trop petite. Dame Hersan, ne vous agitez pas tant, je vais vous aider. Renard s'approche donc, mais au lieu de la tirer en arrière, voilà qu'il lui donne un grand coup de patte sur le derrière. Aïe, vous me faites mal. Ce n'est pas ma faute, je n'arrive pas à vous sortir de ce piège. Il faut bien vous pousser. Dépêchez, je manque d'air. Vous risquez de souffrir encore. Faites vite. Comme vous voudrez, Et Renard recommence, Aïe, Pardonnez-moi, mais je dois vous tirer de là. Heureusement pour l'arrière-train d'Hersan qui en aurait été pelé. Isengrin, anxieux de voir comment sa femme avait réglé le compte du goupil, arrive doucement vers le terrier. Mais quelle ne fut pas son horreur lorsqu'il vit les pattes de son épouse gigoter, s'agiter devant lui. Maudit rouquin, mais qu'as-tu fait à ma femme ? Il m'a battu, il m'a écorché, il m'a pelé. Dame Hersan se trompe, cousin Isengrin. J'ai seulement tenté de la décoincer. Écoute-la crier. La douleur nécessaire au sauvetage. Sors donc de ce trou si tu veux t'expliquer. Je ne peux pas, je suis moi-même coincé. Sinon, tu le sais bien, je me précipiterai. Tu nous le paieras. Et il est des victoires qui ne donnent rien à manger. Même s'il a beaucoup ri des mésaventures de son cousin, Renard a toujours aussi faim. Alors il va par monts et par veaux, cherchant un terrier de lapin ou un poulailler. Il marche comme ça 2 jours entiers avant d'apercevoir devant lui une ferme fortifiée, tenue par des moines. Une ferme riche qui regorge de tout ce que voudra Renard, poules, poussins, dindes ou chapons. Le goupil en fait plusieurs fois le tour. La salive lui coule du museau, mais il ne trouve ni pont, ni planche, ni ouverture. Enfin, il voit une petite trappe tenue fermée par un pauvre cadenas. Renard a l'habitude de ces obstacles, et après 1 heure d'effort, il entre en rampant. Même s'il a peur d'être pris par les moines, battu comme plâtre et rossé jusqu'aux prochaines vêpres, Renard entre dans l'enclos. Le besoin fait trotter la vieille, comme l'on dit. Il voit une des plus grosses pondeuses et d'un seul bond, il l'attrape, puis la mange doucement. Il étrangle ensuite un chapon gras pour l'emporter à ses enfants. Il sort déjà la tête de l'enclos quand il est pris d'une très forte soif. Il aperçoit au milieu de la cour un large puits. Il observe un moment ce puits. 2 seaux pendent au-dessus de la margelle. L'un remonte et l'autre descend. Renard ne s'attarde pas et se penche vers le fond. Il sursaute brusquement car il voit en bas un autre goupil. Il s'agit sûrement d'Hermeline, sa femme. Renard, étonné, l'appelle. Que fais-tu là, Hermeline ? Tu n'es pas à la maison ? Toi ?
Renard, surpris par le discours de sa femme, se penche pour mieux entendre et mieux s'expliquer. Il met une patte dans le seau et enjambe la margelle et... Oh, patatras ! Le voilà qui descend brusquement avec le seau au fond du puits, où il ne trouve pas plus d'hermeline que de beurre en broche. Eh, c'est l'écho qui l'a trompé. Il commence à grelotter. La nuit tombe doucement. Et qui s'approche doucement du puits ? C'est Isengrin. Isengrin qui regarde à son tour dans l'eau et observe en grognant son reflet aux côtés de Renard. Vous voilà encore avec Renard ? Ah non, dame et soeur, vous n'êtes pas digne de ma confiance. Attendez que je descende. Non, compère, il n'y a que moi, Renard, votre cousin. Ou plutôt, il n'y a que mon fantôme. Je suis mort. Mort ? Et depuis combien de temps ? Depuis l'autre jour. Et maintenant, mon âme erre sur cette terre. Je ne pourrai aller au ciel tant que vous n'aurez pardonné tous les mauvais tours que je vous ai joués. Oh, mais si ce n'est que cela, mais je vous pardonne tout de suite. Alors je pourrai... Mais non. Parle, Renard. Vous n'accepterez jamais. Mais demande toujours. Voyez-vous cette balance ? Quelle balance ? Le seau à côté de vous. Je l'ai là, bien sûr. Regardez bien. Il s'agit du plateau de la balance divine. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer, mon ami. Il te faut seulement mettre tout ton pardon et tout ton amour dans ce plateau. Et si le ciel trouve ce poids suffisant, il m'appellera à la droite de Jésus. Vraiment ? Essaye, tu verras. Un peu inquiet, Isengrin place un pied dans le seau. Oh, mon ami, merci. J'entends déjà les harpes du paradis. Parfait. Continue donc. Encore. Encore un peu. Je sens que mon âme s'envole. Évidemment, Isengrin met tout le corps dans le seau. Et comme il est plus lourd que Renard... Il se met à descendre dans le puits, tandis que le goupil lui remonte en riant. Merci, merci, Isengrin, je m'envole au paradis. Ne prends pas froid dans l'eau du purgatoire. Renard remonte vite vers la margelle du puits. Et à peine sorti du puits, se sauve sans attendre un instant. Le pauvre loup, lui, tremble et grelotte toute la nuit. Au matin... Un cuisinier vient au puits avec trois de ses compagnons. Ils ont soif. Ils attellent à la poulie un âne qui tire de toutes ses forces. Le loup, qui a sauté dans le seau, commence à remonter. Ah, il se croit sauvé. Hélas, hélas pour lui, un moine qui regardait l'eau miroiter se met à crier. Arrêtez-vous, il y a un loup au fond du puits. Il n'a pas même fini de crier que du couvent arrivent tous les moines. Certains munis de gourdins, d'autres de pieux. Ils font tirer l'âne jusqu'à ce que le seau vienne à la hauteur du mur. Isengrin saute de toute la puissance de ses pattes, mais il n'a pas assez d'élan. Les frères lèvent leurs gourdins et frappent de toute leur force en invoquant le malin. Isengrin résista quelques minutes, puis tomba par terre, mort ou presque, prenant sur son pauvre dos 101 coups. Puis 15 au moins sur le museau, il perdit doucement conscience en maudissant le goupil. Mais ce tour fut le dernier que put supporter la famille du loup, car dès le lendemain, elle porta le pauvre Isengrin amaigri, brisé, jusqu'à la cour de son roi, noble lion. Noble, le lion, tient aujourd'hui cour plénière. Et les animaux étaient nombreux, les faibles et les puissants, de toute espèce, tous sujets du roi. Tour à tour sont venus se plaindre. Sire Belin le mouton, Tibère le chat, Quiescelin le corbeau, Chanteclair et Dame Peinte, Frobert le grillon.
et aussi et surtout Isengrin le loup. Et tous sont venus se plaindre de Renard le goupil. Écoutons Brun, l'ours. Oui. Renard, savez que j'aime le miel plus qu'aucune chose au monde. Il vint donc me voir cet été, avant la fête de la Saint-Jean. Ah, fit-il, messire Brun, quel pot de miel je connais. Où donc? Chez Constant des Noues. Eh? Pourrais-je y mettre les pattes? Oui, j'ai tout observé. Eh? Les blés étaient en épi. Ainsi abrités, nous gagnâmes une porte ouverte près d'une grange et nous entrâmes dans le jardin. Nous devions rester cachés là jusqu'au soir, étendus entre les choux. Et à la nuit tombée, nous devions aller briser le pot, y prendre le miel et le manger. Mais le glouton ne sut pas se tenir. Il aperçut les poules dans le paillet, ouvrit la gueule et bondit sur une. Les poules crient. Et les vilains qui se trouvaient par là commencent à faire tapage dans la ferme. La goupille ! Ils coururent au courtier, à plus de 40 en une troupe. Pris de peur, je m'enfuis au grand galop. Mais Renard, habitué des lieux, avait déjà fait demi-tour. Toute l'attaque fondit sur moi. Quand je le vis tirer de son côté, je lui criai : comment, sire Renard, vous voulez me planter là ? Que chacun s'arrange comme il peut, beau sire Brun. Il s'agit maintenant de trotter. Faites de votre mieux. Ces vilains voudront vous mettre au saloir. Écoutez le bruit qu'ils mènent. Si vous trouvez votre pelisse trop lourde, ne vous tourmentez plus. Un autre la portera bientôt à votre place. Je passe devant. Je porte à la cuisine cette poule pour vous la prêter. Dites-moi, à quelle sauce vous la voulez ? Oui. Là-dessus, le traître s'esquive et m'abandonne. Le tumulte grandit, les chiens m'attaquent de face. Ils s'accrochent en grappe à moi, les épieux volent comme grêle. Les vilains cornent et huent si fort que les champs en retentissent. Ils crient, les chiens se rallient à moi, me tirent et me déchirent. À cette vue, voilà tous les vilains qui me lardent, me piquent de leurs épieux, me criblent de pierres et de flèches. Les chiens hurlent. Lorsque je pouvais en saisir un, je me forçais à jaillir. Mais ils me blessaient durement et les vilains m'inquiétaient. Je commençais à me diriger vers le bois où je voyais la presse moindre et je m'en sors le mieux possible. Renard le roux m'a valu cela. Il est temps de prendre une décision et de juger ses crimes. Et toi ? Je t'écoute, Isengrin. Qu'a donc fait le goupil pour que tes louveteaux te mènent en brancard jusqu'à moi ? Isengrin raconte comment il a perdu la queue, comment Renard a frappé sa femme, puis a fait saigner la partie la plus noble de son anatomie. Comment il l'a attiré dans le puits des moines. Et comment, à cette occasion, lui, le pauvre Isengrin, a vraiment failli perdre la peau et la vie. À ce récit, la cour se lève, horrifiée, et décide de mettre le sort de Renard au vote. Ours Brun, Bruyant Taureau et bien d'autres exigent que le goupil soit puni sur le champ. Noble Lion, en habile monarque, désire connaître la défense du rouquin. Il va demander qu'on le convoque sur le champ. Mais alors qu'il se lève déjà pour clore la séance, surviennent Chanteclerc, le coq et Pinte la poule, accompagnés de Roussette, de Blanche et de Noire. Ils tirent en pleurant une pauvre charrette dans laquelle repose une poule morte. Pinte se jette aux pieds de Noble Lion. Noble Lion, loup, et vous tous qui êtes devant moi, écoutez mon malheur. Mon père m'avait donné 5 frères.
mais ce brigand de renard les a tous dévorés. Ma mère m'avait donné 5 sœurs. 4 sont passées dans le gosier de ce bandit. La dernière est là. Regardez-la. C'est assez. Je porte plainte contre Renard le Goupil. Dame Pinte, je te plains. Et je vais faire venir Goupil pour le punir. Toi, Brun l'ours, va à sa tanière et ramène-le-moi. Brun l'ours ne se fit pas prier et courut jusqu'au terrier du Goupil. Renard, sors vite de ta tanière. Noble lion veut te voir. Vraiment? Quel honneur pour un Goupil. Oui, nous devons partir tout de suite. Oh, quel dommage. J'allais sortir pour manger du miel. Du miel, parbleu. C'est ce que mon ventre aime le plus. Nous pouvons attendre un peu. Je viens avec toi faire une rapide récolte. Nous partirons ensuite pour la cour de notre roi. Non, vous allez me jouer un mauvais tour. Tu te méfies de moi? Plutôt. Je suis fidèle à Noble Lion, mais je te promets de ne pas te toucher si tu me mènes au miel. Je vous fais confiance. Aussitôt, Renard et Brun courent jusqu'au bois. Un paysan fend un beau chêne en y enfonçant un coin. Renard montre le chêne à Brun. Voici ce que je t'ai promis. La ruche est dans cet arbre. Vas-y, régale-toi tant que tu veux. Tant que tu pourras manger. L'ours met son museau dans le chêne afin d'y chercher le miel. Et Renard, d'un geste vif, retire le coin fiché dans l'arbre qui se referme aussitôt sur le pauvre museau de Brun. L'ours hurle de douleur, son nez coincé dans l'arbre. Vous voulez manger tout le miel? Vraiment, je vous trouve égoïste. Il n'a pas encore fini de parler qu'arrive l'Enfroi, le forestier. Le Goupil alors déguerpit, sans demander son reste, laissant Brun seul à se lamenter. L'Enfroi voit l'énorme bête prise dans son piège. Il part chercher sa hache et s'approche en criant. L'ours l'aperçoit du coin de l'œil et veut échapper à une mort certaine. Il tire sur son museau et sa peau lui fait mal, mais il est obligé de poursuivre ses efforts. Il a la tête embouillie, il n'a plus un poil sur la figure et il arrache centimètre par centimètre son museau de l'arbre refermé. Il a à peine la force de s'enfuir et c'est à moitié mort et vide de son sang qu'il s'écroule aux pieds de Noble Lion. Qui a osé? Qui a osé te faire cela? Je te vengerai, Brun. Où est Tibère, le chat? Qu'il aille sur le champ me chercher ce Goupil. Et Tibère, attends. Dis-lui de ma part qu'il n'apporte ni or ni argent, mais seulement la corde pour se pendre. Tibère n'ose refuser de peur de subir la colère de Noble. Le voici donc à la porte de Renard. Il cherche une ruse pour faire venir le Goupil. Renard, mon ami, mon cher compagnon, tu es là? Tibère, que les puces te dévorent. Tu te souviens du piège où tu m'as poussé? Comment? Je plaisante. Sois le bienvenu. Goupil, ne m'en veux pas. C'est Noble Lion, le roi qui m'envoie. Il semble très en colère après toi, lui et tous les autres aussi, barons, comtes ou même vilains. Laisse-les se faire les dents. Je me moque bien de leur colère. Je vivrai plus longtemps que ces imbéciles. D'ailleurs, pour montrer ma confiance, je vais aller les voir. C'est bien, mon ami. Je suis content. Fait-on cela. Vous n'auriez pas à manger. La balade jusqu'à chez vous m'a creusé. Je sais où trouver des souris, mais je crois que tu n'en manges plus. Bien sûr que si. Suis-moi donc. Et Renard
amène Tibère jusqu'à la maison où vit le prêtre du village. Regarde bien cette demeure. À l'intérieur, il y a tout ce que tu veux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi riche. Les souris y vivent comme des reines. Toute la nuit, elles dansent, elles s'engraissent. Mais comme souvent, Renard déguise un peu la vérité. Le prêtre qui habite là ne possède que deux poules, un vieux coq aveugle. Il vit avec une servante vieille comme Hérode. Ils ont tendu des lacets qui étranglent ceux qui passent la tête dedans, de peur qu'un rat, qu'une belette ou un goupil ne viennent prendre le peu qui leur reste. Alors, Tibère, tu n'y vas pas ? C'est que... Espèce de lâche ! Je t'attendrai à la sortie de l'autre côté. Tibère se précipite dans la maison du prêtre. Il n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive que le lacet le saisit au col. Il tente de se dégager. Hélas, plus il tire, plus il s'étrangle. La vieille qui a entendu du bruit, elle saute du lit, appelle le prêtre de toute sa voix. Aussitôt, tous deux courent vers le pauvre chat, le frappent à coups de balai et de pelle. Tibère se défend à coups de patte, à coups de griffe. Il saute à la figure du prêtre et lui écorche l'œil. Les cris résonnent, la servante s'évanouit. Tibère, blessé, épuisé, profite de quelques instants de répit pour ronger la corde et enfin se sauver de toute la force de ses jambes. Jamais, jamais, jamais Tibère ne courut si vite. Et honteux et couvert de sang, il va rejoindre Noble Lion et ses barons et leur raconte en tremblant sa mésaventure. Et là, Noble Lion en devient blanc de colère. Approche, Grimbert. Tu es ici le seul qui a défendu Goupil. Eh bien, puisqu'il s'agit de ton ami, c'est toi qui vas aller me le chercher. Votre Altesse, je vous le ramènerai. Il n'est pas aussi méchant qu'on le dit, je vous assure. Il a... Tais-toi ! Et va ! Quand il voit arriver Grimbert, Renard lui réserve un bon accueil, l'embrasse, lui donne un peu de vin de sa meilleure bouteille. Il sait que le blaireau le défend à la cour. Mon pauvre Grimbert, tu m'as l'air bien penaud et ennuyé. Cesse un peu de soupirer et parle-moi à cœur ouvert comme un ami. Ah, je crains que tu ne te trouves dans un horrible pétrin. Tous les animaux de la cour veulent ta mort. Il faut te rendre à l'évidence. Il ne te reste qu'une chose à faire, te confesser pour partir l'âme en paix, retrouver tes aïeux. Je suis triste pour toi. Grimbert, que ferais-je sans ton amitié? Bien sûr, j'ai commis quelques mauvaises actions contre mes voisins. Vois Isengrin, je l'ai fait pêcher avec sa queue dans un lac gelé. Je l'ai précipité au fond d'un puits. J'ai battu sa femme comme plâtre. Hier, Tibère a été pris dans un lacet à cause de moi, et Brun, l'ours, a perdu la peau de son museau. J'ai dévoré toute la famille de pintes. Et à vrai dire, j'ai encore bien d'autres péchés à me reprocher. Je suis mauvais, Grimbert, mais je n'y peux rien. Le ciel m'a fait ainsi. Je vais aller les voir et je vais les supplier de me pardonner. Ah, je savais que dans ce cœur, il y avait du bon. Ah, dans mes bras, mon renard! Quelques heures plus tard, le goupil s'agenouille devant Noble Lion. Renard, maudites soient les âmes qui t'ont mis au monde. Te voici enfin sur le banc des accusés. Tu as mis le temps pour venir, n'est-ce pas? Tu t'es amusé avec mes émissaires, Tibère et Brun l'ours. Ne dis rien, ne parle pas. Je connais tous tes méfaits. Je n'écouterai pas ta défense. Il paraît que tu as la langue si bien pendue que tu peux berner n'importe qui. Alors ne perdons pas de temps, voici ma sentence. Je veux qu'on te pende.
Ce n'est que justice, après tout le mal qu'il a fait. Renard, vois ça me rapprocher. On le ligote, on l'entraîne vers son sort. Coire le lièvre lui jette même une pierre. C'est pitié, vraiment pitié de le voir ainsi. On le hue, on lui crache au visage. Le goupil, dans un dernier effort, s'adresse à Noble Lion. Seigneur, je suis pieds et poings liés. Vous allez me faire pendre. Mon âme est noire. Vous avez raison, et j'en suis triste. Mais je demande mon pardon à genoux. Je veux me repentir. Je souhaite expier mes fautes. Je vais prendre cette croix et devenir un pèlerin. Je veux changer, pour que personne n'ait à se plaindre de moi. Laissez-moi souffrir mon martyre. Je serai un exemple pour toutes les générations futures. Oh, votre Altesse, faites donc une bonne action. Regardez, il s'en remet aux mains de Dieu. Voyez comme il pleure. Soyez clément, grand roi. Ayez confiance en lui. Je ne sais pas. Mais et si finalement il ne changeait pas? C'en serait fini de lui. Il ne le sait que trop bien. Qu'il prenne la croix et que plus jamais je n'entende parler de lui. Vous m'entendez jamais? Sinon, comme un modeste pénitent qui vit religieusement. Mais d'abord, que j'entende sa promesse de renoncer au mal et à la ruse. Je jure devant cette assemblée, devant le ciel et les étoiles, que je ne ferai plus de mal à quiconque. Chez les autres animaux, on devine une grande déception. Les uns murmurent, les autres se lamentent pendant que Renard quitte la cour, un sac en bandoulière et un bâton de pèlerin à la main. À peine éloigné de Noble Lion et de la cour, Renard jette son bâton aux orties. Sire, je vous rends ce bâton et ce sac. Je n'en ai pas besoin. Il n'est pas assez gros pour rosser les membres de cette assemblée. La forêt se souvient encore de la colère de Noble Lion. Il jura que Renard ne perdait rien pour attendre et partit lever une armée entière. Elle ferait dès le soir le siège devant la tanière du goupil. Mais quand Renard vit devant chez lui Noble Lion, ses barons et ses soldats, il n'eut pas peur. Il se mit à rire. Alors, vous êtes tous là, en bas de chez moi, soyez les bienvenus. Toi, Chanteclair, toi, Isengrin. Mais où est ta queue, mon pauvre loup? Oh, je vois même notre ami Brun. Excuse-moi, j'avais du mal à te reconnaître à cause de ta vilaine figure. Et n'est-ce pas cette pauvre peintre qui arrive en boitant? Mais où est Tibère? Il n'est pas venu. Peut-être se trouve-t-il trop fatigué. Renard, sache que je ne partirai pas avant de t'avoir pris et pendu. Aucune pluie, aucun orage ne me feront changer d'avis. Sire, je me moque de ce que vous me dites. J'ai dans ce terrier assez de nourriture pour tenir un siège de 7 ans. Je te débusquerai, je te le jure. Car je resterai autant que je vivrai. Je prie votre Altesse de m'excuser. Hermeline m'appelle pour déjeuner. Et vous vous répétez. Je veux cette crapule. Alors ces mots provoquent la ruée générale. Tous se lancent à l'assaut de la tanière du goupil. Ils essaient d'entrer. Par en haut, par en bas, par le côté. Les combats ont duré pendant 6 jours, durant lesquels les bêtes luttèrent et luttèrent de toutes leurs forces. Jusqu'au jour où, plutôt jusqu'à la nuit, où Renard se glissa hors de son terrier. Les ennemis du goupil sont tous là. Ils dorment. En un tour de main, Renard les attache. L'un par la queue, l'autre par la patte, l'un a un chêne et l'autre a un bouleau. Il se dirige vers la femme
de noble lion, l'embrasse. La lionne pense que c'est son mari. Mais le doute saisit la femme de noble lion. Elle ouvre les yeux. En voyant Renard, elle hurle. Tout le camp alors est réveillé. Tous veulent se lever pour attraper le goupil, mais ils parviennent à peine à bouger. Ils s'agitent pour se libérer. Noble lion enrage tellement qu'il s'arrache presque la queue. Heureusement pour lui, un escargot oublié par Renard vient le détacher. Noble lion, d'un coup de patte, attrape Renard. Nous allons te régler ton compte. Tu vas payer tous tes crimes. Et en premier lieu, celui d'avoir osé berner mon épouse. À cause de celui-là, tu seras pendu. Tous les animaux hurlent de joie. Isongrin, qui ne peut contenir sa haine, donne un terrible coup de poing à Renard. Brun, lui, le prend par la nuque et lui plante ses crocs dans la cuisse. Et voilà que Tibère lui griffe le dos. C'est à celui qui donnera le plus mauvais coup, à celui qui fera le plus mal. Le goupil est traîné devant toute la cour, puis mené sous un arbre, et on lui passe la corde au cou. Les aventures de Goupil auraient dû s'arrêter là, avec sa vie. Heureusement, Hermeline surgit de la tanière et se jette aux genoux de noble lion. Sire, ayez pitié de Goupil. Je vous donnerai tout ce que j'aime et laissez-le en vie. Pensez à ses enfants. Il aime l'aventure et joue de bien mauvais tours, je vous l'accorde. Mais n'est-il pas amusant et malin? Je sais qu'au fond, il ne vous déplaît pas, car avec lui, jamais on ne s'ennuie. Si demain, il n'est plus là, je suis certaine qu'il vous manquera. Pardonnez-lui encore, une dernière fois, je vous en prie. Goupil, tu as de la chance. Et tu peux remercier Hermeline, elle a su m'émouvoir. Retire la corde que tu as autour du cou et décampe le plus loin possible d'ici, car plus jamais je ne veux entendre parler de toi. Merci, mille merci, noble lion. Renard, enfin débarrassé de ses liens, embrasse tout le monde. On dirait bien qu'il ne se sent plus de joie parce qu'il tourne surtout autour du loup, de l'ours et des poules. Mais peut-être se moque-t-il encore. Isongrin et les autres sont furieux, mais ils ne peuvent rien dire. Noble lion a parlé. Renard s'éloigne déjà pour retourner dans sa tanière quand, au milieu de ce tableau, entre soudain une pauvre souris. Elle porte en pleurant le corps de son mari. C'est un coup de Renard. Il l'a tué pendant le siège. Et là, il lui faut se sauver, car cette fois, la corde lui sera définitivement passée au cou. Renard n'attend pas un instant. Il prend donc une pierre. Et il assomme noble lion. Toujours Renard saura se tirer des mauvais pas, parce que toujours il trouve une issue, parce qu'il sait parler, inventer, observer. Jamais il ne renonce. Il aime trop la vie et montre qu'on peut rire de tout, même au pire moment. Oui, voici ce qu'en sait une histoire du Goupil. Maintenant mon conte se termine. Merci de m'avoir prêté l'oreille.